Nous allons continuer comme je vous ai dit, le programme culturel interne et nous allons switcher de langage. On va discuter en français parce que nous allons avoir des invités de l'ambassade et de la JICA. J'aimerais accueillir près de moi M. Issé Kubotassan. Bonjour. Kubotassan, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Ça va? Bien et vous? Merci d'être, merci de votre invitation aujourd'hui. Merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Ah non, merci. Nous allons aussi inviter nos amis de la JICA, Si Jamil Zitouri et Midori Morohoshi-san. Veuillez venir près de nous, s'il vous plaît. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ici. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour. 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 Comment allez-vous? Allez-y. Ça va? Oui, vous j'espère que... Merci beaucoup. Merci. Donc, nous sommes enchantés de vous recevoir sur le plateau de notre événement Jet Family. Ah, c'est une première pour nous de faire un live directement avec notre communauté. Mm-hmm. D'habitude, nous organisons des événements où les gens viennent nous voir directement. Là, c'est... on entre dans l'ère du digital, donc on s'essaie à de nouvelles choses. C'est un honneur de vous recevoir parmi nous. Merci. Donc aujourd'hui, nous allons discuter culture. Okay. Donc j'aimerais bien savoir quelles sont les actions que vous menez avec l'ambassade pour promouvoir la culture en Tunisie aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Mais tout d'abord, je voudrais vous présenter toutes mes félicitations pour l'organisation de cet événement très très important. Merci pour la présentation de la culture japonaise. Parce que nous travaillons assez souvent depuis longtemps avec le JET et dans le cadre de, n'est-ce pas, des activités culturelles. Donc nous sommes toujours très très heureux de travailler avec vous et puis je vous remercie infiniment de votre collaboration pour la présentation de la culture japonaise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Donc comme vous le savez, cette année c'est le 50e anniversaire de l'ouverture de notre ambassade. Donc nous avons déjà organisé plusieurs événements culturels pour commémorer ce 50e anniversaire. Et est-ce que donc je peux vous présenter déjà quelques événements? Oui, bien sûr. Que nous avons déjà organisés. Ça a commencé au mois de mars. Nous avons fait une projection de films japonais à Sousse. Oui. Nous avons projeté deux films japonais, un film d'animé et un autre film concernant la cuisine japonaise. Et nous avons eu assez des Tunisiens très nombreux sur place. Et après, au mois d'avril, nous avons fait venir un architecte japonais qui s'appelle Ban Shigeru. C'est un architecte très très connu qui s'est vu décerner le prix Pritzker. C'est un prix c'est un prix Nobel dans le cadre dans le domaine de l'architecture. Et donc il a fait une présentation, une conférence à l'université et à Tunis. Et c'était vraiment très très bien passé. Et puis, oui, c'est très très bien. En plus, nous avons, n'est-ce pas, organisé avec vous un Kids Fest au mois d'avril. C'était très très bien passé aussi. Et notre collègue de la JICA ont participé aussi, en fait, pour faire l'origami, le shodo. Donc ça, c'était très bon. C'était vraiment une très très bonne occasion pour nous aussi. Et après, au mois de juin, nous avons participé à Fashion Week. Est-ce que vous connaissez le Fashion Week peut-être? C'est un événement annuel, n'est-ce pas, organisé à Carthage, et au théâtre de Carthage. Donc nous avons fait venir un styliste japonais et qui a organisé un défilé, défilé de mode. Oui. Et à cette occasion, non seulement la défilé de mode, mais aussi nous avons fait une démonstration de kendo. Kendo, c'est un art martial japonais. Oui. Peut-être après notre séance, notre collègue nous Aziz, Donc ils vont peut-être faire une petite présentation. C'est un art martial japonais. Par ailleurs, en fait, je pratique aussi le kendo. Donc, je crois savoir que la majorité des Japonais pratiquent le kendo depuis tout petit. Hein. Oui, il y a beaucoup de gens, vraiment. Pas majorité, comme d'ailleurs, mais en fait, il y a beaucoup de C'est un art ancestral. Oui, voilà, c'est un art ancestral, comme le judo. Oui. Oui. Donc, on peut dire que même à chaque quartier au Japon, il y a des dojos. Ouais. Dojo, c'est l'endroit où on pratique. Où ils s'entraînent. Voilà, on s'entraîne.
Depuis vraiment les petits, à l'âge de peut-être 5 ans, 6 ans, on commence à pratiquer soit kendo, soit judo, plusieurs choses. Oui. En fait, c'est plutôt dans le cadre du dans le cadre de prévention de délinquance juvénile, délinquance des jeunes. En fait. Oui. Oui. Ça, c'est très très important dans ce, voilà, ça leur apprend à maîtriser leurs émotions, oui, à rester sur le droit chemin. Oui, oui. C'est très spirituel. Très spirituel aussi. Oui. Donc, c'est bien. Bon, après, peut-être vous vous rappelez bien, j'espère, mais au mois de juin, nous avons, dans le cadre du festival du international de Carthage, oui. D'accord. Oui, nous avons fait venir des danseurs, japonais, oui, 25 danseurs et musiciens japonais qui ont fait une démonstration, interprétation de Awa Dance, c'est une danse traditionnelle très très connue au Japon. Et donc ils ont fait une très bonne interprétation sur place et puis ça a eu vraiment un grand succès. J'étais là-bas moi aussi. Ah c'est vrai, d'accord. J'ai dansé avec eux. Ah c'est vrai. Oui. Donc vous êtes très amusé, n'est-ce pas? Oh oui, c'était excellent. Merci beaucoup. Je suis allé avec des amis, on s'est beaucoup amusé. Ah c'est vrai, d'accord. Oui. Très bien, merci beaucoup. C'est bien. Bon, donc c'est ce que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. Mais bien sûr que après l'été, vacances d'été, on va faire des autres événements culturels. Au mois de septembre, nous allons faire une exposition des photos du Bouddha au musée de Bardo. Oui. Et nous allons aussi faire venir des chefs cuisiniers très connus au Japon, à Tunis. Nous allons organiser une show cooking à l'hôtel Sheraton, en collaboration avec une association culinaire à Tunis. D'accord. Oui. Et il y a encore plusieurs événements, y compris le Bunka Fest, que nous allons collaborer avec vous. Oui. Oui. Pour la prestation de Taiko. Taiko, oui, tout à fait. Oui. Merci. Concernant la Taiko, nous allons aussi faire... le JCC. Voilà, tout à fait. Dans le cadre du JCC, Journée cinématographique de Carthage. Oui. Oui, à l'ouverture, il y a des journalistes, des musiciens japonais, y compris le taiko, qui vont faire interprétation. Il y a cette année beaucoup de films japonais qui passent au JCC aussi. Tout à fait. Nous sommes en train de préparer les films japonais dans le cadre de cette C'est excellent. Activité. Merci beaucoup. Oui. Merci. Là, il y a même d'autres événements aussi dans le cadre du festival de musique de Carthage, Oktoberfest de Carthage. Oktoberfest. Oui. Nous allons aussi, les joueurs de taiko vont faire une démonstration là-bas. Et oui, il y a d'autres événements comme le championnat des arts martiaux, comme championnat de judo, championnat de kendo, que notre ambassadeur souhaiterait décerner le prix, par exemple. Oui. Oui. Donc voilà, c'est un peu le résumé de ce que... Pour toute l'année, c'est une année assez riche. Oui, c'est assez riche. Il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'événements qui font la promotion de la culture japonaise en Tunisie. Et il y a beaucoup de public aussi qui adore ces activités, qui aime découvrir la culture japonaise. Merci. Parce que c'est toujours surprenant de voir la discipline des Japonais. Oui. On aimerait beaucoup apprendre de vous à ce propos. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci. Et puis nous avons aussi nos amis de la JICA avec nous aujourd'hui. Nous allons discuter aussi de programmes. Du programme d'amitié tuniso-japonais. Programme de, autrement dit, programme de volontaires japonais. D'abord, je saisis cette occasion pour vous remercier de votre aimable invitation. Voilà, c'est-à-dire lorsque vous avez exposé le sujet, la culture, on a du mal à appréhender ce sujet parce qu'il est
très vaste. Alors, on a pensé à voir avec notre programme quels sont les aspects qui peuvent intéresser, c'est-à-dire vous intéresser. On a dit que peut-être le programme de volontaires japonais est le plus proche à cet aspect parce que c'est un programme très ancien et qui repose sur des principes, trois principaux principes, c'est le transfert de savoir-faire, l'échange culturel et les acquis dont les volontaires japonais vont apprendre de retour au Japon. Alors sur le premier et deuxième aspect, on a constaté et on remarque qu'il y a une certaine interférence et échange entre le volontaire et le pays hôte. C'est un programme, bien sûr, il est très ancien, il a commencé en Tunisie depuis 1975. Et à travers ce programme-là, les volontaires japonais ont pu assurer une certaine connexion entre la culture japonaise et la culture tunisienne. Comment ça se fait ça? Parce que les volontaires japonais, d'abord, ils sont affectés pour une durée de 2 ans dans le pays, c'est-à-dire hôte. Et ce programme, il existe pratiquement dans les 5 continents, c'est-à-dire en Afrique, en Asie, en Europe, en Tunisie, comme je vous l'ai dit, il a commencé depuis 1975. Et les volontaires, dès leur arrivée, on essaie de les installer, de les immerser auprès d'une famille d'accueil. Pourquoi? Pour qu'ils aient une certaine connaissance et initiation à la vie, à une vie autre que la vie au Japon. Oui. Bien sûr, à leur arrivée, ils vont être confrontés à des coutumes, à des traditions, à des connaissances totalement différentes de ce qu'il a appris au Japon. Alors le fait de placer un volontaire dès son arrivée, après 2 ou 3 semaines, dans une famille d'accueil tunisienne, ça va lui permettre d'avoir et d'acquérir une connaissance sur les traditions et la culture et les coutumes et tout ce qu'on fait dans la vie quotidienne. De ce fait-là, et à partir de là, c'est-à-dire le volontaire, il sera affecté dans région d'affectation. Ça doit être à Sousse, à Monastir, à Zaghouan, au sud de la Tunisie, parce que depuis 1975, presque 500 volontaires sont venus du Japon pour partager leur savoir-faire avec les Tunisiens. Et du moment de là, c'est-à-dire le volontaire, il doit être dans une communauté locale, dans une localité, il doit s'adhérer à la vie quotidienne de cette région-là. Bien sûr, dans ce contact, il y aura une certaine interférence entre deux cultures. La culture japonaise, ce que le japonais a apporté avec lui, et la culture tunisienne. Et de ce fait-là, il y aura une certaine... C'est un mixage et un certain enrichissement. Oui. Parfois, il y a quelques aspects culturels qui se divergent et même des aspects culturels qui... c'est-à-dire il y aura une certaine convergence. C'est-à-dire c'est la même chose qu'on peut trouver en Tunisie, on peut le trouver au Japon. Oui. Et le contraire, c'est juste. Et à partir de là, le volontaire, bien sûr, va enrichir ses connaissances et les Tunisiens, de leur part, vont apprendre beaucoup de choses. Par exemple, de certains aspects culturels dont les Tunisiens, par exemple, l'ignorent ou bien le négligent. Le fait le plus marquant, c'est-à-dire lorsqu'on parlait de la ponctualité des Japonais. Voilà, bien sûr, beaucoup de Tunisiens vont apprendre comment et pourquoi on doit respecter le temps, pourquoi on doit être à l'heure, pourquoi on ne doit pas être en retard. Oui, c'est pas évident parce qu'au Japon, et vous avez eu... je ne sais pas, l'occasion de visiter le Japon, vous pouvez remarquer à travers la ponctualité des moyens de transport comment tout le monde peut y arriver à l'heure à son travail et quel est le plus-value qu'on peut gagner de ce fait-là. Mais regardons en Tunisie, c'est-à-dire le fait de négliger cet aspect-là, qu'est-ce qu'on est en train de perdre? J'imagine que c'est difficile pour un volontaire de s'intégrer au début, mais surtout s'il utilise les moyens de transport locaux. Non, bien sûr, nous, mais la ponctualité, ça ne manifeste pas au niveau des moyens de transport. Vous-même, lorsque vous allez au travail, vous devez être à l'heure. Voilà, c'est-à-dire il faut apprendre d'être à l'heure.
Mais les moyens de transport, c'est un autre volet. Il faut réparer l'infrastructure et tout ça. Il y a beaucoup à réparer. Mais le fait, c'est-à-dire, il y a un aspect qu'on peut le faire nous-mêmes sans l'intervention d'une C'est une discipline extérieure. Personnelle avant tout. Voilà, nous-mêmes, c'est-à-dire, on tient à être à l'heure. Mais on dit parfois pourquoi, par négligence, par laisser faire, mais c'est un constat. Et plusieurs, c'est-à-dire contreparties de nos volontaires, ont acquis cette chose-là, l'aspect culturel, c'est-à-dire cette culture, cette tradition. Et ils tiennent aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, à être à l'heure, à enseigner à leurs élèves ou bien à leurs stagiaires, le fait d'être à l'heure. C'est l'un des aspects, par exemple, qu'on a parlé. Et durant ces deux années, les volontaires japonais, de leur part, ont appris beaucoup de choses, c'est-à-dire à travers nos fêtes, à travers, essentiellement à travers nos fêtes. Par exemple, ce sont des choses qui ne se font pas... qui ne peuvent pas ou bien ils n'ont pas l'occasion d'assister à ce genre d'événements. Par exemple, le mois de Ramadan, ces aspects spirituels, ils n'ont pas l'occasion d'y assister au Japon. Mais être en Tunisie, vivre le mois de Ramadan avec avec ses amis, avec les familles d'accueil dont il est hébergé, bien sûr, le volontaire va... C'est-à-dire le mois de Ramadan va être gravé dans la tête de volontaires à jamais. Et jusqu'à présent, plusieurs volontaires qui ont passé par les Tunisies ne cessent de se souvenir de ce genre de souvenirs. Par exemple, comment les choses et la vie, ça change du fait de l'avènement du mois de Ramadan. Ouais. Les fêtes religieuses, c'est-à-dire telles que l'Aïd el-Kbir ou bien l'Aïd el-Zghir, ils n'ont pas ce genre d'occasion, c'est-à-dire d'avoir ces événements dans leur pays. Les valeurs qu'on partage, c'est-à-dire les valeurs religieuses, peut-être ils n'ont pas l'occasion d'y voir au Japon. Alors il y a toujours une certaine interférence entre deux cultures. On ne parle pas, c'est-à-dire seulement d'une culture au détriment de l'autre, mais il y a une certaine interférence et échange entre plusieurs cultures. Et ça, ce qui va enrichir par la suite la société japonaise. Parce que, comme je vous l'ai dit, les volontaires japonais sont répartis dans le monde entier. Alors, de leur retour au Japon, ils vont enrichir de leur part la société japonaise, de ce qu'ils ont appris, de ce qu'on lui a connu à travers les pays du monde. Voilà, je pense que cet aspect-là aussi peuvent aider à comprendre et appréhender la culture dans sa généralité. Mais également les volontaires à travers leur activité d'abord, même à travers leur spécialité, parce que la JICA a affecté des volontaires dans des établissements spécialisés dans la langue et la culture japonaise. À travers cette personne-là, il a enseigné à ses étudiants ou bien il a fait découvrir à ses enseignants quelques aspects culturels japonaises. Et de sa part, bien sûr, il était ouvert à plusieurs aspects culturels. Je me souviens que M. Moreno a rédigé tout un livre parlant de la Tunisie et de la société tunisienne de retour au Japon. C'est quelque chose qu'il a vécu en Tunisie et par la suite, il a fait un œuvre, c'est-à-dire un livre parlant de la société tunisienne et des aspects culturels de la Tunisie. Les volontaires japonais ont également essayé d'initier des événements culturels dans leur lieu d'affectation, dans certaines villes, par exemple à Zagouan, à Sousse, à Monastir, à Sfax, à Djerba. Tous les volontaires affectés en Tunisie, ils se regroupent en même temps dans un lieu quelconque et ils essaient de présenter la culture japonaise à travers que ce soit le chant, la danse, la calligraphie japonaise, l'origami, c'est-à-dire l'art de pliage de papier japonais. Voilà, ce sont des faits et des aspects culturels japonais que certains Tunisiens l'ignorent. Mais à travers ces volontaires japonais,
on a pu, c'est-à-dire faire voir aux Tunisiens quelques aspects culturels japonais. Également, c'est-à-dire les volontaires japonais ont assisté à des événements organisés par la JET, tels que je me souviens l'ASEAN Bridge, l'événement qui a regroupé plusieurs pays d'Asie. Voilà, c'est-à-dire les volontaires japonais ont pu, c'est-à-dire faire découvrir au public qui était présent et qui était très nombreux à ce jour-là, certains aspects culturels japonais, tels que à travers les chants, la danse, la calligraphie et même l'art culinaire. Japonais. Oui. Je pense que l'expérience du programme de volontaires en Tunisie est très enrichissante, que ce soit pour les volontaires sur le, ou bien pour les Tunisiens, dans l'échange, je peux dire, l'échange culturel, parce qu'on ne peut pas parler à présent d'une seule culture. Il n'existe pas une culture, il y a toujours... La culture est un fait qui bouge. Certes, il englobe toutes les connaissances, les coutumes, les traditions, le savoir-faire, mais aussi bien qu'il se transmet d'une génération en génération et qui s'enrichisse avec les interférences qui peuvent y arriver à travers les intervenants, que ce soit les autres civilisations ou bien la culture elle-même. Elle est toujours quelque chose qui s'enrichisse. Oui, c'est tout à fait d'accord. C'est pour cela qu'en fait, la semaine dernière même, l'ambassade de la Tunisie au Japon, à Tokyo, il a organisé une réception pour accueillir les anciens volontaires et les volontaires qui viennent, qui vont venir en Tunisie à partir de l'année prochaine, voilà, pour en fait enrichir encore des expériences. Pour plutôt expliquer l'idée c'était pour remercier, je pense, remercier aux volontaires des activités qu'ils ont fait et tous les volontaires sur place, qui étaient présents sur place, ils étaient vraiment contents d'être envoyés à Tunis, en Tunisie. Ça, ce qui m'a vraiment impressionné, parce que les expériences qu'ils ont eues en Tunisie, ça a vraiment enrichi ces expériences. Donc, c'est, comme il a dit, en fait, c'est quelque chose de vraiment réciproque. Et ce qui m'a encore impressionné, c'est que la majorité des experts qui ont été envoyés en Tunis pouvaient parler des Arabes. Ils ont appris les mots arabes. Voilà. Oui. Donc déjà, c'est vraiment très bien. Je pense que les volontaires japonais pourraient être considérés comme les ambassadeurs des Tunisies au Japon. Parce que après, voilà, tout à fait. Oui, c'est ça, je rejoins à ce que dit M. Kubota, c'est-à-dire je suis ami avec quelques volontaires qui ont assisté à ces cérémonies et ils ont témoigné leur attachement à la culture tunisienne. Voilà, ils regrettent, c'est-à-dire qu'ils ne trouvent pas quelques nourritures tunisiennes. Ah, j'ai manqué l'autre, le blé, Voilà, ce sont des aspects culturels et ce sont des choses à la tunisienne. Voilà. Mais un volontaire après 4 ou 5 ou même 10 ans qui regrette ne pas trouver telle ou telle chose, ou bien de visiter une région ou bien un monument. On m'a dit qu'il y avait un Tunisien qui avait ouvert un restaurant tunisien au Japon. Au Japon. Oui, il y a des restos tunisiens. Je connais quelqu'un qui est parti au Japon pour ouvrir un resto tunisien. Il s'appelle Hannibal. Hannibal. Évidemment. Alors Hannibal, il est actuellement un resto au Japon. Voilà. Il y a aussi des volontaires japonais qui ont ouvert son restaurant japonais à Tunis. Oui. Donc vraiment quelque chose reste plus que... Excellent. Moi j'aimerais prendre le cas de madame comme exemple. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes en Tunisie et comment vous vivez cette expérience? Oui, en fait ça fait déjà 3e année pour moi. Oui, je suis très contente d'être ici parce que les gens sont très très gentils. Et c'est plus proche que peut-être les Japonais. Et ils ont invité, par exemple, pour manger des couscous, partager du thé à la nuit. Et, enfin, par exemple, le coutume de Ramadan n'est pas très connu au Japon. C'est très connu de ne manger pas
nourriture pendant la journée. Oui, la journée, mais je ne savais pas que dans la nuit, il y a beaucoup de fêtes. C'est amusant d'être à la madame. Donc il y a beaucoup de choses que je ne savais pas au Japon. Y compris la belle plage de la Tunisie, etc. Donc vraiment, j'aime bien être ici. Excellent. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Ah, c'est un honneur de partager ces instants avec vous, avec notre public aussi. J'imagine que tout le monde apprécie d'écouter ces histoires, de partager ces expériences avec vous. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup. Et puis, merci beaucoup pour votre venue. Voilà, pour le sujet choisi, merci. Je pense qu'il aurait dû avoir un espace encore plus large, parce que la culture, on ne peut pas y parler dans 5 minutes. C'est pour ça qu'on a pris plusieurs rubriques, qu'on essaie d'inviter plusieurs personnes pour parler chacun d'un petit sujet, pour essayer Maintenant, notre collègue qui apprend le kendo, Aziz est déjà en train.